Sunganga mwana mwasi. Question nanga ezali boye na za na frère moko alingi gayi. Pona libala. Kasi aza toujours prêté. Pona kobala ngai. To sali déjà bambula na bambula. Apesa kanga il vient. Ni mbongo ni cadeau rien. Moko aya koloba. Ye moko aya kolobawa. Moko aya koloba. E moko aya kolobawa. Ndeko mwati moko aya kolobawa. Alobi ngai nde na sungaka ye. Kati ngai pe naza na famille pauvre. Malgré cela, nalingi ye mingi. Siko pasteur nangai, nasala nini? Boya koloba. Ndeko mwasi moko aya koloba. Merci beaucoup pour la parole. Pour nangai, pasteur balobi alobi ka umeli na ekombe dane. Abie belé. Mbule belé. OK, pour nangai, lokola sœur alobi ke alingi frère Makas. Le col à l'obi Kalini frère Makas a persévéré toujours. Bolima. Bon, ça va. Nani Soussou Aya. Dekomati Soussou Aya Koloba. Ok, merci, merci. D'accord, d'accord, s'il vous plaît. Toyokana, s'il vous plaît. Oui. Merci, merci, merci. Bolanda réaction de Gomoisi. Et ça réunion à bas jeunes, c'est votre réunion. Chacun qui a quelque chose à dire à Kotombo la Moussapi, on va lui donner la parole. Et c'est et éviter de parler de part et d'autre. Botale pas pasteur, soba pesio maloba, oye, au pesili kanisinayo. Bon, merci beaucoup. Ponanga, sœur alobike, alingi frère mingi. Pota mon frère a tout naké libala priyaki, almonika alingi. Malgré tout, ma moye zati. Pasteur Rabiso Azawa. Ba peso dia c'est pas pasteur ba mbalé a prier nzamba pa mola bango c'est tout. Bien, merci beaucoup. Madame Mobaton, il y a une opinion, monsieur. Non, et t'as dit, ma frère, t'es. Non, non. Ma soeur, 4. Ma frère, mon opinion, mon opinion, ça vise au passe. Ok. Suivant. Pasteur Alobi Boye. Question Oyo, et t'as dit, ma frère, t'es. Et Zalinde Bandegobasi. De balingi ba pesa opinion par rapport na oyo ekomeli ndeko na bango ya mwasi. Ma soeur, tu as la parole. Merci pasteur. De rien. Bon, moi
Moi, je dirais pour cette question, d'abord, merci pour la question. Je dirais l'amour a toujours été, l'amour ne soupçonne à rien. Parce que si réellement la sœur a l'amour envers le frère, il doit toujours supporter toutes les expériences de le frère. Et le deux, je dirais que non. Le premier exemple, je vais donner là où Pasteur Baruch a commencé avec Maman Fo. Il nous a toujours donné cet exemple-là que non, lui dormait chez ses parents. Oui. Oui. Pasteur Baruch n'avait rien quand il a aimé la sœur. Mais Maman Fo, tant qu'elle aimait Pasteur, il supportait tellement le Pasteur Baruch. Maman Fo, Et nous aussi. Quand tu aimes ton mari, il ne faut pas soupçonner tous les erreurs. Tu dois l'aimer tant qu'il est. Troisième. Ok, merci. Est-ce que Maman Fo est là? Bazo tuna Maman Fo. Azali. Ok, ça va. S'il vous plaît, Tolanda, nakansi to sugi siao. Merci, pasteur. Batoni Bokengeli. Bonanga nengena lo baboe. Tozana docteur Jésus. Ce que Beleli est hasard capable pour Naroyano Layo. Sœur Alingi frère, malgré Baoumeli. Oh. Aïe, pas pasteur Abondela. Ce que frère a besoin Moussala, ensemble repèse Moussala. Ce que a besoin Libala, ensemble au pouvoir. Nasukiwana. Frère, bon père, sa frère place à madame quand même. Maman Fo a eu place. Ah ouais. Bien, Nayoki. Tango. Naluka qui Maman Fo. Botiga la macam. Toyoka Mokengeli. Maman Fo, Alinga Kinga Ndenge Nazaraki, je ne travaillais pas. Mais elle travaillait. Mosala. À la Tenako. La Tenako. Elle a dit, moi je veux le mariage. Je veux pas d'aventure. Nalingi m'a séquité. Je dis, mais je n'ai pas l'argent pour arriver à la maison. Elle a dit, tu dois te présenter à la maison. Alobi, on s'est dit comment ça l'andako. Je dis, mais Nalobi, il faut acheter quand même quelque. Elle a dit, bon, c'est combien je vais te donner. Abi, olingi mi solo boninga na kopesa yo. Elle m'avait donné 200 dollars. Pe apesa ingai ba dollar kama mi vale. Et à partir de là, j'étais parti me présenter. Et celle qui était venue avec les 200 dollars a volé 100 dollars. Une jolie femme, là, la femme de son grand frère. J'ai eu quand même quelques deux ou trois casiers ou cinq, je ne sais pas. Ça coûtait moins cher à cette époque-là. Et quand j'ai présenté les 70 dollars, par exemple, la famille m'avait accepté. Et j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé à libre service, hein, Maman Fo. Quand j'avais fini mes études comme vendeur, chef de vente. J'étais à libre service. Et Maman Fo était à. Comment on appelle ça encore? Hein, chérie? Comment on appelle ça? Hein? J'ai cri. Ah. Elle vendait les habits à J'ai cri. Bon, si vous voulez prendre ça comme exemple, c'est bon aussi. Maintenant, les hommes peuvent aussi parler. Vous n'avez rien. Yo, aux années de côté. Au Kangi, moi, on a battu des années. Venez. Mais Dieu m'avait béni. Nzambe apambola kingai. J'étais devenu chef. Nakoma kimokonzi.
Après le stage de libre service, j'étais devenu un grand chef. Na koma ki bokozi monene. Comment on appelait ça? Tembe na tembe. Na tembe na tembe. Et j'étais parti prendre ma femme. Je me suis marié. Les parents étaient très contents. Na pesi bango biloko nyonso. Pena kenako kamata mwasi nanga na balaki baboti basepele ki pena pesi bango biloko nyonso. Tout. Nyonso penza. Tiala kaka mwindi a kolema. Kaka kolema de tikalaki. Je crois que j'ai payé ça après. Na nibiete na futaki yango na sima. On est allé à la commune. Tokenda kina epena bokulaka. Voilà. Botala yango wana. Mais kasi les hommes, que les hommes parlent aussi. Tika pe mibali bakwa koloba. Mwana ya moto kangiye mbule bele bele. Vraiment félicitations pour les sœurs. Bandeko basi pour la bino peza longonya. Bozwingai. Je vous jette les fleurs. Na bwakeli bino ba fololo. Merci pour la parole. Matondi pona liloba. Bon, je pense que na makambo elobami responsabilité. Responsabilité ezali na deux parties. Sœur alingi mobali. A supporter Mobali, a bondela, Zambe, a pesa Mobali, mbongo. Siko yope frère, olingi obala, mais ozo bougete, ofandika anandao. Siko mbongo ango, Zamba kokitsa na lola, aboya ki abia kokitsa su mbongo te. Luka, bolingo tambola kana mbongo. Soza na mbongo te, ezamba wa, Luka mbongo frère. Même un petit cadeau. Attaque cadeau, pourquoi mon kété? Moi, quand je sortais de l'alimentation, j'avais toujours un cadeau. Derrière mon dos. Si ma ya mon kongonangaï. Ah, la moni voix nous écaillé. Frère Guy, moi, quand je sortais de l'alimentation, j'avais toujours un cadeau. C'était saucisson de Paris. Et saucisson à Paris. Et mon épouse était très contente là. Saucisson de Paris. Saucisson de Paris. Vous venez les mêmes vies de chaque jour. Yo mokona mokolo koya arrosé arrosé. Maboko pambo sengai koyeba ko mwangisa bolingo tango nyoso. Amen. Amen. Je crois que on a terminé ou bien un homme encore vient. Nanibete to sisito mobali moko zazali. Vous devez être des responsables. O sengeli ozala koyeba ko simba likambo ozala mokomba likambo yango. Ok, au Lukali Kambo. Ah. Oui, bah, n'est-ce pas, mais encore. Oui. Je remercie le pasteur pour la parole. Natoni Mokengeli pour l'aliloba. Pasteur, Likambo Ezaliawa, Ezake, Lelo, Batubalini, ba mariage prestigieux. Pour, on a vu que Libala, ce qui frère a Pessidot, attend à Bura, pasteur, Bako Pambo, la Bango, Makambo Sili. Mais, ma soeur Balingi, salle de fête, tout ça, pour ça, dépense, il y a 6 000 dollars. Il y a moins de problèmes. Pour... Merci, merci beaucoup. Matondi Mingi. Qui sont d'accord avec ça? Levez la main. Banani, bandibi, oyo ndeko alobi batombola maboko na bango. Banani baboyi. O baboyi baleki mingi. Baye baboyi baleki mingi. Ça va. Malamu, malamu. Il y avait un couple. Ezalaki na baba na nimoko. Qu'on avait béni ici. Oyo, papa mola ki bango awa. Frère Baruti Moulamba, mon aîné, m'a dit.
Ndeko baruti mulamba kulutu nangai ayebisaki ngai. Il les avait vus. Ye amonaki bango. Pendant qu'on les bénissait. Et quand il descendait avec sa voiture, il voit les deux marcher. Ah. Ah. Mais c'est vous qu'on avait béni là-bas, non? Oui, papa. Oui, papa. Ah. Ah. Vous marchez à pied? Ils ont dit oui. Babi, mais pourquoi? Ils ont dit on n'a rien. Babi, tu as côté? Et ça c'est quoi? La femme avait emballé la robe. Moi si azingaki mokoto. Et la femme avait mis ça dans un gros sachet. Pe moi si atiaka un sachet moko amonene. Et ils descendaient vers le rond-point Ngaba pour prendre leur taxi bus. Pe baneko kitana rond-point Ngaba pour prendre leur taxi bus na bango. Alors frère Baruti Mulamba dit non. Na bongo ndeko Baruti Mulamba lobi tete. Montez dans ma voiture. Bon matin na motuka na ngai. C'est quand même un jour de mariage. Ezali pesa mokolo moko ya libala. Il les a conduits jusqu'à dans leur maison. Naboy akambi bango kino na ndako na bango. C'était à Makala ici. Bazaki awa na Makala. Et tout le monde attendait. Batonyo so wana ikozela. Et il voit la voiture qui s'arrête. Pe bamoni motuka etelemi. Oh, les mariés sortent comme ça avec les habits. Babala ni babimi bongo na bilamba. Comment c'est possible? Oh, ndene ko ikozala boye. Dans les mains comme ça. Na maboko boye. Babala si binote. On vous a pas marié. Voile na maboko boye ndenge. On nous a marié. Oh baba les sibiso. Oh. Et ils ont mangé avec tous ceux qui étaient là. Pe balia ki elongo na ba ibanso bazalaki wana. Ils ont dit à frère Baruti Mulamba. Ba msi ndeko Baruti Mulamba. Merci, restez ici, vous allez manger avec nous. Matondi tikala awa okolia elongo na. Il a dit non. Alobite. Je dois rentrer chez moi. Na tina mi kozonge pa inangai. Bon. Malam. Ne forcez pas aussi les hommes. Il y a un frère qui n'avait même pas de costume de mariage. Un frère lui avait dit qu'il avait, il devait lui apporter ça de Brazzaville. Et il est allé attendre là-bas à Brazzaville. Le costume n'est pas venu. Costume et y était. Vous savez ce qu'il voulait faire? Oui, oh, il y a une gueule là. Qui connaît l'histoire? Nani aye bil solo yango. Personne. Motote. Toi tu connais? Il voulait se jeter au fleuve. Oui, bien maman. Alinga comme il boit quand il balé. Et les gens crient, hey, toi. Patrolbe, yo. Parce qu'il sait que s'il rentre. Bambati aye bil soki ya zongi. Arigini, on est en train d'attendre la bénédiction. Arigini, basali kozela ba kwa kopambo la bango. Il n'a pas de costume. Ye azangi kazaka. On l'a arrêté. Na boy, batele misi bakangi. Mama foye biango, madame. Il est devenu comme un fou. Ye akoma ke lokola moto na liboma. Et il circulait en ville. Pe abale kotambo la kona ngumba. Et la femme avait le voile et tout ça attendait ici. Moi ça zangina voile pe nyoso banai kozela awa. En tout cas, le mariage commence à nous compliquer un peu nous aussi. C'est seulement le dimanche qu'on connaîtra. Pourquoi il n'était pas venu? J'ai oublié ça. On les a mariés, fini. Allez, rentrez à la maison. Et ils sont bien, je suis sûr qu'ils ont des enfants maintenant. Bon, si vous avez les moyens, si vous ne l'avez pas, on fait le mariage et vous rentrez à la maison. Vous êtes marié. On vous bénit et vous rentrez chez vous. L'essentiel, c'est le mariage. Je ne sais pas. Nayebite. Pasteur Baruti. Mokengeli Baruti. Je veux savoir. Nalingi koyeba. Concernant les problèmes de mariage ici à Kinshasa. Otale la likambo na libala awa na Kinshasa. C'est très coûteux. Ezali kosenga misolo ebele. Alors pasteur, je veux envoyer ma photo. Naboye mokengeli nani kotinda photo. À l'intérieur dans les provinces. Kuna nakati na bituka. Pour chercher une sœur là-bas. Pour être d'accord à cause de moi, c'est mon kuna na bituka.
Bande ko bazali awa di. Bande ko bazali awa. Qu'en dites-vous? Yo olobini ni mokengeli. Aimez-moi aidez-moi pasteur. Sunganga ni mokengeli. S'il vous plaît. Nabondelio. Frère Guy ozawana. Ne kombali Guy. Telemana. Teleme pa yo zali. Oya lingi atinda photo na ye. Ne kombali Guy oyo alingi ko tinda photo na ye na bituka. Merci Vanda. Matondi ndeko Vanda. Bamona yote. Tala bango batondi awa. Fregi. Ndeko mobali Guy. Lève-toi, on est en train de te filmer. Telema bazali ko filmer yo. Yewana. Yewana. Dans les pauvres villages, il y a des sœurs qui sont ici. Amen. Amen. Pardon. Donc je dirai aux parents quand j'aurai leur réunion c'est le jeudi prochain. Va diminuer moke. Baza côté cabana té. Baboti bazali na bango té côté cabana bango. Je crois qu'ils comprendront. Nanimete bango bakososo la yango. On m'a dit Baibi singaete. Que notre passé Dioka l'a fait aussi. Mokenge na biso Dioka asala ki pe yango. On va diminuer un peu les dotes. Baboti basengali ko senga moke mbongo ya libala. On va diminuer la dot. Ba kitisa mbongo ya libala ko ba moke. Nous ne vendons pas les enfants. Bisoto teka kabana te. En Haïti. Kuna na moko babengi Haïti. J'ai posé la question, j'ai assisté à un mariage. Natuna ki motuna na kenai kotala libala moko. J'ai dit frère, Naibi ndeko. Cet homme a donné combien pour prendre ta fille? Moi na mobali o apesi bisolo boli pona kokabata mo anu ya mosi na libala. Oh, il m'a dit rien. Abi singa elokote. Chez nous on examine seulement le garçon. Et pas na biso tala kaka elenge mobali. Il dit moi-même j'ai payé tout un véhicule. Alo bingai moko na sofia ta motuka moko. 4 pour leur donner à l'occasion du mariage. Pona kopesa bango na hotel libala na bango. Et la belle famille donne aussi. Pe libota ya mwasi ezali pe kopesa. Bon, les parents, on va mettre. On va mettre Vivali, Vino. On va mettre Barem. Baboti, on va mettre la bambou de l'homoko. Mais souriez aux alambours. Souriez aux alambours. Tu dis, je veux honorer ma femme. On va mettre la sepeli, na pesa moi, c'est le coup. Alors. Na bongo. Je donne autant. Na pesi, misolo boye. Gloire à Dieu. Que bon azambe. Si tu n'en as pas. Souriez aux yango. Notre barème là va. Va faire l'affaire. Ndelo na biso wana ekoyeba kosunga yo. Ah. Papa Giko Kimateo. Papa Giko Kima na mboka te. Ah. Une brebis qui avait déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Pate oyo asle kozwa libati ya molimo mosantu. Non, le baptême de l'eau. Et qui avait rétrogradé. S'il retourne à l'église. Ce qui a zongé l'église. Et demande à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Doit-il par la délivrance? Frère Sanjola. Maurice, je ne comprends pas. Vous demandez la délivrance? Où est-il? Ozali wapi? Frère Maurice, lève-toi. Ndeko Maurice Telema. Oui, vous demandez. Quelqu'un qui se repent. Moto oyo a bongoli motema. Et il tombe, il rentre dans le monde. Pe akwei azongi na mokili. Quand il revient à Dieu. Tango azongi pa na Nzambe. Il doit se repentir de nouveau. Asengeli a bongola su motema balance. Et demander à Dieu pardon. Pe asenga Nzambe bolibisi. Quelle délivrance il veut encore? Kokanga na mandinga su ozali kolinda. S'il veut le baptême du Saint-Esprit, nous prierons pour lui, pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui allaient dire le baptême, c'est mon libre mot. Je vais expliciter ça, frère. Yaka, Otali Sango, Napoléon, de combat les Sanjola. Oui.
Bon, pasteur, on a un tout dans ce qu'il faut bah, poser ma main côté de diacre. Tu es côté de ma salle en service à la délivrance. Non. T'es. Ce qui a bon goli moté, a reçu un pardon et pas un zambé. A zongi l'église naïe. Biso à service de la délivrance et à la caté. Babé à maman banane. Ben intercesseur, non. Ce qu'il faut à réparer, à réparer. Donc voilà, mon quoi, Zalia, à l'objet à Iba qui téléphone à maman naïe. Et c'est à quoi qu'on réparer au comment. Bon, c'est fini. Vous pouvez rentrer. Oui. Madame. Réparer, frère. Bon, qui s'en déco. Son maman est encore vivant, l'objet là, qui n'a Iba qui téléphone naïe. Ça va? Malamo. C'est ça la façon de réparer. Et allez bon monter le linga ko bongisa makambo. Et il y a encore une question ici. Motuna mosusu ezali awa. C'est son nom. Batie komboté. Que dites-vous de ce qui est arrivé au temps de Lot? Ozali ko lobelani na oyese ko komana tango na Lot. Arrivé au fils de fils au temps de fils de l'homme. Et ko komapelo ngi mona tango na komana na mwana moto. Qu'est-ce que je peux dire? Nakoye kolobanini. Mais dit Dieu. Et le kolobanzambe. C'est tout un enseignement. Oui, on a dit penza malakisi. Donnera. Akope ça. Le signe du Messie au temps de la fin. Et le bon Messie en attendant na suka. Et cela s'est accompli avec le prophète de Dieu William Marion Branham. Et yango ekokisa maki epena mosakol nzambe William Marion Branham. Il tournait le dos. Abaneko balusa mokongo. Et il discernait les pensées des cœurs. Et abaneko sosola makansi amite manabato. Je crois que c'est ça. Nadimete ezali bongo. Un pasteur du message qui prêche à ses brebis, toute la plénitude était en William Marion Branham. Un tel pasteur a-t-il le Saint-Esprit? La plénitude litondi se trouvait en Dieu. Ezalaki kati na Nzambe. Cette plénitude était rentrée sous forme de la colonne de feu. Quand ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Cette plénitude qui était en Jésus. C'est reparti, chacun a reçu une langue de feu. Et si Pierre n'avait pas reçu la plénitude, comment William Branham va recevoir la plénitude? J'ai plusieurs endroits où Frère Madame m'a dit qu'il n'avait pas la plénitude. Plusieurs. J'ai fait tout un livre là-dessus. Alors, quelle plénitude encore? Alors, beaucoup. Des prédicateurs dans ce message du temps de la fin. Yabate ikat na sango o natango na suka. Enseigne que Frère Branham avait toute la plénitude quand il discernait les pensées des cœurs. Bari kote ya etende ko Branham azaki na litondi tango ye abane ko sosola makalisi na mitema na bato. C'est faux. Ezali lokuta. Si Frère Branham reçoit toute la plénitude, soki ndeko Branham azui litondi nyonso, alors il devient Dieu. Na boye ndeko Branham akomi nzambe. Pourquoi Jésus était devenu Dieu? Pour anini Yesu akomaki nzambe. Alors qu'il était un homme. Natango yazalaki moto. Né de Marie. Abotamaki na Maria. C'est quand toute la plénitude était entrée en lui. Ezaki tango litondi nyonso ekotaki kati na Yesu. Frère Branham dit ceci. Ndeko Branham alobi boye. Dans la prédication, qu'est-ce qu'une vision? Nalite ya limono ezali nini? Il dit bon maintenant. Alibi malamu sikaoyo. Quand Jésus était ici sur terre. Tango Yesu azalaki awa na mabele. C'est le paragraphe 57. Ezenzela tukubita na sambo. Il était le porte-parole loin de Dieu. Azalaki elobeli molobeli oyo au pakolami na Nzambe. Il était le fils unique de Dieu. Azalaki mwana likinda oyo Nzambe. Il était en Christ. Dieu était en Christ. Alibi Nzambe azalaki kati na Kristo. Réconciliant le monde avec lui-même. Akotaki moki na boyokani elongo na ye moko. Sans mesure. Kozanga epimelo. Vous croyez ça? Bodimi yango. Vous qui étudiez la Bible. Bino ba ebozali koyeko la Biblia. Amen. Amen. Il était Emmanuel. Azalaki Emmanuel. Jamais aucun ne nous
Jamais aucun de nous n'atteindra cette position-là. Nous, Branham est là-dedans aussi. Jamais aucun de nous n'atteindra ce niveau-là. Personne n'atteindra cette position-là. Il dit non, non, non. Il était le Fils de Dieu. Saint. Monsanto. Né d'une vierge. Ça n'a jamais. Ça, jamais nous le serons. Jamais nous serons capables de faire des choses. Parce que c'est ce qu'il fait, lui. Donc, personne ne peut atteindre ça. Dans le voile intérieur, paragraphe 8, il dit ceci. Personne ne pourra jamais atteindre le niveau auquel se trouvait Jésus. Il était Dieu, le Dieu incarné, rendu manifeste ici sur la terre, pour nous donner ce que Dieu était. Aucun homme ne pourra jamais atteindre ce niveau-là. J'en ai plusieurs ici. Même quand il discernait, il dit ici, il n'était qu'une portion. Il appelle ça une cuillerée. Amen. Amen. Vous croyez à ça? Donc, on peut passer ça. C'est tout un enseignement. Mais il n'a pas mis son nom, celui-ci. Bon, et pasteur qui prêche comme ça, est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Bon, je ne veux pas juger les pasteurs. Je ne sais pas. Dans l'Ancien Testament, celui qui a discerné les pensées des gens, c'était Elohim. Cas d'Abraham. Il a discerné la pensée de Sarah qui murmurait. Maintenant, que dites-vous de Branham? Qui a discerné les pensées des gens en leur donnant son dos. Donc, vous voulez dire qu'il est lui aussi il est Elohim? Quand tu dis dans l'Ancien Testament, celui qui discernait les pensées des gens était Elohim, c'est déjà faux. On a eu Élisée qui pouvait même entendre ce que le roi disait à sa femme dans la chambre à coucher. Un prophète, c'est un discerneur de pensées. C'est plein ici. Quand Saoul est arrivé devant Samuel, Samuel a discerné qui il était. Samuel a sosolaki oye azalaki. Et ce qu'il était venu chercher. Koloba oye ayaki koluka. Samuel n'était pas Elohim. Samuel azalaki Elohim était. Quoi encore? Qui connaît encore un prophète qui a discerné les pensées? Daniel Dakisa. Daniel a discerné. Il a parlé du songe. Daniel a l'obéi na oué tali ndoto. Tout. Nyonso. C'est un prophète. Adai Mosakoli. Un prophète est un discerneur de pensée, a dit le prophète William. Mosakoli, négen Mosakoli prana malobi. Adali moto oué biko soso na makanisi. Qui encore? Nani susu. Joseph. Josepha. Non seulement qu'il a répété le songe, il a interprété ce songe-là. C'était un prophète. C'est plein. Quel prophète encore fait? Salomon. Salomon.
C'est un puissant prophète. Vous pouvez savoir les choses. Et nous avons eu aussi un puissant prophète dans ces temps de la fin. C'est William Marion Branham. Ezali William Marion Branham. Il a dit, il n'est pas le fils de l'homme. Azali mwana yango na moto te. Il est un fils de l'homme. Azali mwana moko na moto. Veut dire un prophète. Eli ko ba mosakoli qui manifeste le fils de l'homme. Oyo azali ko talisa mwana na moto. Il dit. Alobi, c'est là où vous avez des problèmes. Et allez, et pas yoa pe debile vous allez na midodo. C'est clair. Et allez polele. C'est le dernier signe que Dieu a donné pour nous montrer que le fils est en train de venir. Et allez, et le boyasuka o nzamba azali ko talisa parce que lobe te mwana azali ko ya. C'est quoi? Et allez nini? C'est Dieu manifesté dans la chair de son église. La chair de son église, c'est William Branham. Il met aussi là-dedans. Mais c'est lui qui devait bien le manifester. En discernant les pensées, c'est celui qui avait le don de prophète. C'est dans la confirmation de la commission. Prêchée en 1962. Il dit la dernière, paragraphe 183. Mais la dernière chose qui devait être donnée, qui devait être la dernière chose, devait être Dieu manifesté dans la chair de son église. Et c'est vrai qu'on a l'ensemble où a monté mis dans le poisson il y a Ecclésia naie. N'importe où il y a Ecclésia naie. La chair de son église c'est qui? N'importe où il y a Ecclésia naie. Ezali nani? C'est vous qui avez reçu le baptême du Saint Esprit. Ezali bino ba ebosi qu'on soit baptisé il y a monté mon santo. Comme il était dans la chair là-bas. Le col a attaqué dans n'importe où là. Où? Et pas Iwabi. Dans Genèse 17. Dans Genèse 17, il était dans la chair d'un homme. Dieu. Zambé. Maintenant, il est dans la chair de son église. Et là-bas, il montra le signe. Que le Messie avait déjà représenté lui-même au milieu du peuple. Juste avant que le feu ne tombe. Ici. Awa. Genèse 18. Mokandane bandeli, mokapuna zomi na mwambe. Bien, pour moi, c'est tout un enseignement. Il est déjà un peu tard. Frère Branham était l'antitype du type. Le type, c'était Dieu lui-même. Dans l'antitype, nous voyons Branham. Le type, il y avait deux anges. Dans l'antitype, il y a plusieurs. Osborne, Billy Graham, Oral Robert, Tommy X. Dans le type, ces anges-là étaient dans la chair d'un homme. Donc, il n'y avait pas de maman, il n'y avait pas de papa. Mais ici, Branham a son père et sa mère. Branham a son père et sa mère. L'antitype. Ça ne peut pas être totalement ça.
Billy Graham a son père et sa mère. Billy Graham a dit papa n'est pas maman. Si vous ne connaissez pas la chose de Somba, Vanda. Tommy Osborne a son père et sa mère. A dit papa et maman. Dans le type, na katneta diseli. Tous ces anges là, banje wana nyoso, étaient d'accord. Bazala ki bangomi balé logo. D'accord avec Dieu. Dans l'entité, Branham ne dira jamais que je suis Dieu. Mais dans Genèse 18, on a appelé cet homme-là Elohim. Branham n'acceptera jamais qu'on l'appelle Elohim. Branham a continué à conduire ceux qui vont quitter Babengaye Elohim. Et puis Branham ne s'attend pas avec Osborne, Billy Graham. Ils n'ont pas la même doctrine. Mais Branham a dit qu'on a Billy Graham et Osborne. Parce qu'on a malaxé mon côté. C'est l'antitype. Et Zali, on a dit qu'il y a solo. Et puis là-bas, Pekuna, la femme là était Sarah. Moi, si on a Isaac Sala, une femme qu'on voyait. Moi, si on a comment on a mis ce qui devait, qui était stérile. Oh, Azali Kobo Tate. Qui devait avoir un enfant dans une année. Oh, Azali Kobo, moi, on a mis la moko nasima. Mais ici, la femme s'appelle qui? Kas awa moi si Isali Nani. Comment on Nani? Hein? L'épouse. Moi si Nalibala. C'est pas une femme qu'on voit comme ça. Azali moi si Azali comment on a mis ce boyeté. Le fils qui vient, c'est qui? Moi, non, voilà, Zali Nani. C'est Jésus. Et Zali Yesu. C'est pas un enfant que l'épouse aura ici. Et Zali Moana, tu as dit que tu as dit que tu as il viendra dans les airs. Yako Yana Mapata. Comment comparer les choses? Ndeni wako kokanza bakambo bongo. C'est le dernier signe. Oye wana Ezali le boyasuka. Qui montre que le fils va venir. Ozali kotali zete Moana Azali Koya. Et le fils s'appelait Isaac. Ici, Awa, Frère Madame donne le dernier signe. Qui montre que Jésus va revenir. Et le fils s'appelle Jésus. Il ne sera pas dans une maternité. Mais il viendra du ciel. Si vous avez compris, dites Amen. Les gens enseignent des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais la chair humaine aujourd'hui, c'est l'épouse. Amen. Si c'est un homme, alors Nabongo, il y a deux dieux. Un dieu qui s'appelle Jésus. Un dieu qui s'appelle Branham. Ça amène les gens vers Branham Dieu. C'est la malcompréhension de la chose. Si vous avez compris, dites Amen. C'est un enseignement très difficile. J'ai enseigné ça en blanc. Aux États-Unis. Ce prophète blanc là m'a pris dans son bureau. Il m'a fait un chèque de $700. Il a fait pour Matamba un chèque de $700. Alors, il n'a moni pas si l'enseignement. Je suis fait beaucoup pour cet enseignement. Des années, pasteur. Je n'ai jamais compris cela. Et cela me pousse vers Branham Dieu. Beaucoup de gens sont de faux prédicateurs. Je m'arrête là. Nous ne pouvons prêcher que Jésus-Christ. Amen. Vous avez compris? Écoutez, nous sommes arrivés à la fin. On m'a posé aussi une question ici sur les sept tonnerres. Les sept tonnerres rassemblent l'épouse. Donnez-moi ça. Les sept tonnerres dans le livre des sceaux. Je crois que ça doit être le premier sceau. Ou la brèche. Le feu est en train de chercher.
Ça rassemble l'épouse. Si vous dites que cette honneur ne soit pas révélée, alors qu'est-ce qui rassemble l'épouse? Et deux, Frère Madame dit, les sept honneurs donnent à l'épouse la foi pour l'enlèvement. Mais si ce n'est pas révélé, comment nous allons nous préparer pour l'enlèvement? Trois, les sept honneurs nous ramènent, là je vais lire, à la foi de nos pères apostoliques. Et c'est William Branham qui doit révéler cela. Comment nous serons ramenés à la foi de nos pères apostoliques si nous ne croyons pas aux sept tonnerres? Les sept tonnerres, ce sont les brochures que vous avez. Prêché par Malachi 4. Exposer cet âge de l'église. Bukuya Bilekola Mangomba. Para 319. Or ce messager de Malachi 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, Oya Liboso, selon Malachi 4, il ramènera les cœurs des enfants au père. Et deuxièmement, il révélera les sept mystères des sept tonnerres d'Apocalypse 10. C'est clair. Et ce sont ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au père de la Pentecôte. Ce madame dit exactement. Je peux avoir ça? C'est le premier saut. Paragraphe 75, 75. Et puis il va y avoir sept tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits. C'est vrai. Je crois que par ces sept tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Révélé, oui. Nous n'avons pas encore reçu le réveil. Donnez-moi ça aussi. Le réveil se trouve dans les sept tonnerres. Frère, examinez-vous-même. C'est qui ne croient pas au tonnerre. Est-ce qu'ils ont le réveil? Nous. Parce que Frère Madame dit, il faut ces sept tonnerres d'après se disent pour réveiller l'épouse. C'est le message. C'est ça les sept tonnerres. C'est ça le sept tonnerres. Quelqu'un peut dire amen à cela? Moi je crois que nous sommes dans la vérité. Dieu ne peut confirmer que la vérité. Il y attendait que l'épouse puisse prendre l'épée, les sept tonnerres et manipuler. Ils seront capables de fermer les cieux, de faire tout ce qu'ils veulent. Nous l'avons.
Nous fermons le ciel. Nous faisons tout ce que nous voulons. Ça, c'est le quatrième saut. Le réveil, c'est le troisième saut. Paragraphe 180, troisième saut. Quatrième saut. Il dit ceci. Alors, voyez. Attendez que ces sept tonnerres fassent attendre leur voix de ce groupe qui peut vraiment prendre la parole et la manier. Elle va trancher, elle va couper. Ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Frère Branham a crié ici, gloire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les sept tonnerres. Bon, j'ai encore un conseil. Tu m'as parlé de quoi, hein? Comment se marier dans le message? Priez. Yo sambela liboso. Ne vous mariez pas Kobalate à cause de la beauté. Natina na bo kitoko to bonzenga. Soyez convaincu yo ndimisa mapenza par Dieu et pas inanzambe que c'est votre femme. Et te yero na zali mwasi na yo. Ne vous mariez pas à cause de l'argent. Soyez convaincu que c'est votre mari. Il faut commencer par la prière. J'accepte. Tu vois quelqu'un venir parce qu'il a l'argent. Et tu auras des problèmes. Ne mariez pas l'argent, s'il vous plaît. Mariez un homme rempli du Saint-Esprit dont les caractères se marient. Même s'il est rempli du Saint-Esprit, même si elle est remplie du Saint-Esprit aussi, mais le caractère, quand vous êtes ensemble, est-ce que le courant passe? Vous risquez de prendre la femme d'un autre ou le mari de quelqu'un d'autre. Ayez un temps avec lui. Examinez un peu vos projets ensemble. Et voyez si c'est vraiment l'homme. Si c'est vraiment la femme de votre vie. Ne regardez pas l'argent. Ne regardez pas la beauté. Regardez à la beauté de l'âme. Amen. Amen. Et quand vous êtes dans la période de fréquentation ou dans les fiançailles, évitez de lui donner votre corps. Peut-être qu'il a un cahier et puis il va mettre votre nom et il vous oublie. Vous êtes une de ses conquêtes. C'est fini. Et il vous place dans le calendrier grec. Terminé. Et là, il va chercher encore quelqu'un d'autre. Évitez des hommes comme ça. Fiancé à Oyo. Fiancé à Oyo. Évitez ça. Qui m'a Oyoana? Et puis, si vous êtes arrivé à une bêtise, c'est un scandale. Vous serez obligé de réparer.
Et c'est honteux. Mieux vaut ne pas le faire. Ne nous faites pas souffrir. Je ne saurais pas. Je suis bien connu ici. Vous devez réparer. Otindami obongisa likambo. Et quand vous avez des problèmes, pétango yo zali na makambo, vous venez vers moi. Oya epai na ngai. Mon mari n'est même plus. Oh, obali na ngai alinga lisusute. Je dis ah bon? Nabi ah, ezali bongo. Appelez-le. Bongo, benga obali yango. Oh non, il viendra plus. Oh ya, oya lisusute. Oh, oh. C'est vrai. Ezali solo. Et puis maintenant, ailleurs, il a changé. Il est dans quelle église maintenant? On m'a dit l'église. J'ai dit, est-ce que ce n'était pas baptisé le mois? Il a dit, oui, c'était baptisé le mois. Et nous, nous l'avons baptisé. Baptisez le mois. Vous baptisez la moi. Tu penses la moi si on baptise. Nous allons la baptiser. Mais tu penses la moi si on peut baptiser. Un jour tu auras des problèmes. Mon colombo ko yoko za na mindondo. Allah te le pantalon andako. Moi c'est Allah ti pantalon andako. Et elle n'écoutera pas le pasteur. Pe yako yoka ne soki mokete mokengeli. Je vous dis la vérité. La vérité c'est bino solo. Aziba alobi aza baptiser la moi. Pas baptiser au même que pour pas qu'on pense elle baptiser. Tu dis frère. Na mindeko. Moi, c'est comme une pantalon. Mais oui. Moi, c'est comme une pantalon. Et Zali, bon, mon kengeli. Nabi Aza baptise la moitié. Au même moment, il a été pour baptiser les baptisés. Il a dit oui, oui, oui. Ah, mais il y en avait maquillé. C'était baptisé la moitié. Personne n'a été baptisé. Alors, non, on l'avait baptisé. Nabi, bon, mon bisou, tu fais ce qu'elle est baptisée. Parce qu'elle va devenir chrétienne. Comment ça, tu es comme mon Christ à moi? Ah, non. Elle sera mariée, c'est tout. Il y a solo, il y a comme la paix, ce qui est là. Ça s'arrête là. Et ce qui est là. Elle est la même personne. Attendez, quand moto, moi, on est dans la kiliboso. Bana basi ki toko boy. Basi ya ki toko boy. Bana bango te ko lukaka ya kana. Ya ni ko. Boy bango po ko lukaka bana basi mi bale mosu. Banda. O ya libanda. Non. Te. Vous devez vous marier en Christ. Botina mi ko bala kati na Christo. Une personne née de nouveau. Et pas na moto oyo abota mi bota manasi. Je crois que vous m'avez compris. Na libete mosu soli ngai malamu. Qui n'a pas compris? Na nyango a sosolité. Qui lève sa main. Atombola lobo konaye. Yeah, zola ndo nzela. Je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Kaka simana zai koloba na lingio mingi, na lingio mingi. Oyebi batuboni pe asala bana bango na lingi bango mingi. Batuboni oyo ayebisa bango pe na lingio mingi vraiment. Et toi? Peyo. Tu écoutes. Ozo yoka. Je t'aime. Na lingio. Ah, je t'aime. Ah, na lingio. Je t'aime. Na lingio penza. Tu oublies même qu'on t'a dit à nos quelqu'un. On a dit qu'on pense à table à table à mon côté. Nous ne sommes pas des dictateurs. Mais on a dit que bateau bâti à ma camion en côté. Yomoko Lukaki. Yomoko Lukaki. Si on a dit qu'on a dit, tu vas te marier ou bien tu vas refuser. Après deux enfants, si on a pas d'amis balé, il regarde ailleurs. Il est mobile à mon côté la Libanda. C'est terminé. Et si il est Baruti. Bonne Obal Nagasong et Langaï. Bonne Obal Nagasong et Langaï. Est-ce qu'il y a qui baptise le baptise le moi t'es dit? Yo mais là qui puisse être pour ton copain c'est le baptiste. Io. T'as rebondi de la carte. T'as rebondi là. La moitié a coué venu boum. T'as commencé à couer dans ma belle. N'a pas dit qui y a quand il a son coufau. J'appelle le rabbin qui vient, il est en train de mourir ici. Guy. N'a pas dit qui. Ma belle qui nous dit non qui non qui. Ma belle qui me donne comment tu. Y a quoi les gars mais là son coufau. Oui à recevoir mon travail qu'on coufau. Il m'aime. Il m'aime. Oh, il m'aime. Oh, Alingingaï. Mais c'était baptise le moi. Quand c'est Zaki, on peut pas que ton père s'est baptisé. Mais il t'a quitté. N'aboye à Tikio. Bou, à quoi? Tu vas mourir pour rien. Au coco, fa pona bamba. Frère Guy, tu étais là? Au Tolokoubo, à Zarakiwana. J'ai eu peur. Gaïna Bandaki. Il a dit à Koufi. Abi à Koufi. Dis Seigneur.
kolo. Tu m'as donné un don. O pesenga likambo moko. Elle ne meurt pas dans mon bureau. Akufa te na bureau na ngai. Mais kasi. Moi Dieu m'a donné ma femme. Ngai nzambe a pesenga moi si na ngai. Pas de problème. Likambo zalite. On a des enfants. Combien de coco? 15. Tous aina ban na pe ba coco boni. Zomi na mitano. Zomi na mitano. Pas de problème. Likambo zalaka te. Seulement 2 ans. Aïe. Tera bula bibale azima. Aïe. Avec un mois et demi, un enfant et demi. Na mwana moko na ndambo. Le ventre comme ça. Libumu et toi diboy. C'était à Charlotte. Et Zakina Charlotte. Moi-même, je vais te dire. Elle est là. Azaliwana. Je ne l'aime plus. La ligue, je ne l'aime plus. La ligue, elle est sautée. Mais caga mon okonayo. Mais ferme ta bouche. Ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Lelo, Azali, elle est mokino lelo. Vous voulez jouer avec qui? Bayo Sakananani. Vous m'avez appelé, je suis venu vous marier ici. 2 ans après, et vous avez eu un enfant. Azana Zemi Yako. Ezako Landanabou. Azana Zemi Zali Kolandanaboy. Vous voulez l'abandonner? Ne joue pas avec moi. Et la femme qui riait. Mais moi, c'est Aliko Seka. Quand quelqu'un de l'Europe vous dit, je vais te marier, la réponse est toujours oui. Tant que tu as qui sait soit lobby. Je vais te prendre au mariage. Je cherche la volonté de Dieu. Quand un homme qui est aux États-Unis dit en tout cas, maman, c'est toi. Vous n'allez même pas prier. Envoie-moi l'invitation vite. C'est Dieu lui-même qui m'avait dit que quelqu'un m'appellera des États-Unis. Je dis la vérité. Nazolo va solo. Io pasteur. Du pasteur. Mokengeli. Pasteur. Mokengeli. Onyoloba. Onyoloba. Comment? Pesa maman pelo. Pasteur. Mobali azalaki olobelanga te pasteur. Kola bambola bino. Amen. Tous les deux côtés. Ma frère Moussousou, ceux qui servent à France, Canada, États-Unis, ceux qui sont à Tunika, Andimi, même si ils servent à l'Aïpaïe. Ma frère, ils sont Mingyao. Ils sont à Bassère, ils sont à Moussika, na Canada, na Angola, na Nini, na Afrique, na Facebook. Non à Londres, mais c'est Azana qui a gâté message. Soit vous gâtez Azana à Londres, Azana Canada, Azana États-Unis. Frère, on y m'a emporté. C'est on a reçu les vikings n'importe quel pays étranger. Et ça tous les deux côtés. Ben à bas, si on y a tellement où c'était ma case. Oui, il y a des frères. Et on a reçu les vikings. Il y a des frères. Et venez à Bande Komibali. Qui provoque presque. Oh, Badali Pesakolobako, Lukamakambo. Chéri. Moligami. Yo tikingaya wa motema nanga ezaka na yo. Yo tikingaya wa motema nanga je soipa na yo kaka. Ndakobala te, chéri nangai. Ndakobala te. Et la femme qui est aux États-Unis, Canada, en Europe, Canada, en Europe, accepte. Tout ça, c'est pour que la personne arrive aux États-Unis. C'est facile. Avec le mariage, il peut partir.
Priez. Bondela. Cherchez la volonté de Dieu. Yo lukande mo kano na nzambe. Dans le mariage, c'est deux personnes. Na libala ezakande bato mibale. Vous devez vous aimer. Botinda mi kolingana. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Bosili koso sola yango. Est-ce que vous avez une question? Bozana botuna moko? Oui. Je prendrai seulement trois questions. Je suis en train d'atterrir. Oui, Israël a une question, viens. Israël les hommes aussi trois. Israël. Israël et Yaka. Trois, vous trois. Bino Misato, vous Akoya. Azam marié. Balobi de Israël a sina abala. Ça va. Oui, une exception. Balobi est assis à Bala. Azala Kala Binote. Azala Ngambola Binote. Oui. Malambo. Oui, merci, pasteur, pour la parole. Matoni Mokengeli pour Naliloba. Ma question est celle-ci. Je voulais savoir, pasteur. Nalikoye Bamokengeli. Au sujet du baptême du Saint-Esprit, la Bible dit, et comme aussi vous, pasteur, vous nous prêchez, le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit se transmet. Oui. Il faut qu'une personne puisse avoir le Saint-Esprit pour qu'il puisse transmettre à la personne qui le désire. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé ici dans notre tabernacle, les gens qui nous imposaient le mets pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit, ils sont sujets de la division de notre tabernacle. Maintenant, pasteur, est-ce que réellement ils avaient le Saint-Esprit ou il n'avait pas le Saint-Esprit? C'est ce que nous voulons savoir. S'il n'avait pas le Saint-Esprit, il imposait les mains pour transmettre quel esprit? C'est ça ma question. Parce que maintenant là, nous avons des réserves pour donner nos têtes à n'importe qui ici à l'église. C'est ça, pasteur. Ok, s'il vous plaît, suivons la deuxième question. Feuille. Que Dieu vous bénisse. Zambé Apabolabino. Bon, pasteur, je viens de suivre le conseil que vous venez de donner. Ça m'a beaucoup touché, mais je voulais seulement que vous puissiez encore ajouter un autre conseil, surtout sur les fréquentations, les fiançailles. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, nous les jeunes, nous ne savons pas ce que nous cherchons. Et nous ne savons même pas quel est le chemin à suivre. Des fois, on est en embarras de choix. Nous ne savons même pas quel est le but de notre engagement dont nous voulons nous engager. Parce que, pasteur, si je dis ceci, parce que je connais quelqu'un d'histoire. Les frères peuvent venir chez la sœur. Sœur, j'ai beaucoup prié. Dieu m'a dit que vous êtes ma fiancée ou ma femme. La sœur aussi, de son côté, elle prie. Et puis, d'un moment à l'autre, le frère vient
brusquement comme ça, briser les fiançailles, dit que non, la sœur, pas vous, Dieu m'a dit, pas vous, je ne saurais pas continuer comme ça. Restons frères et sœurs. Merci, madame. Maintenant, du côté des sœurs aussi, si vous avez dit, moi, si. Les frères peuvent venir, la sœur dit, je veux aller prier. La sœur vient, elle donne la réponse au frère, frère, je t'accepte, vous êtes mon mari. D'un moment à l'autre, la sœur peut venir dire au frère, non, pas vous en tout cas, j'avais prié, mais je vois comme si ce n'est pas la chose. Laissons tomber, restons des frères. C'est comme si nous badinons un peu pour ce mariage. Or, c'est un lien sacré, c'est un lien où tout le monde entre avec du sérieux, la responsabilité, mais nous entrons avec de jeu, de fond. C'est même pas ce qu'on fait. C'est comme si on est en train de chercher quelque chose, mais lorsqu'on arrive à la chose, on laisse tomber. C'était ça ma question, pasteur. Suivons la troisième question, s'il vous plaît. Oui. Silence. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, on a dit à l'oba popo ya prédication y a qui va pasteur musubati ya miné ne peut awa mais bah l'oba na bandimi na bango bate ya ba bokola bibuele balo na bilo na mapango po soki ba bokola bilo ko banyama ba soso et puis balo na ba pondu bandu na kati mapango pona tant que va pas sa bateau marque de la bête, on va bien maliban dans ma pangouté. Bakende wenze, poso bakéi wenze, bakobé d'abord marque de la bête, wana na ilo. Malam bakwa na kakat na lupang. Suko elo kwa ne dérange nga minga bi an. Ndengeni passe na biso lo belangote, funga ipena tout na na yeba, ezandengeni. Pongande na pwen on lukape, na ki enlèvement. Suko enlèvement ko salama. Bango déjà bazana biso masa di batoza na mukilu bien toza déjà likolo po bango ba lo bake balo na biloko yango ne na linga na ye ba posa na ngai. Merci. OK, la dernière question. Dernière question. Retourner à Souka. Dans cette église, Baruti Tabernacle, Baruti Mongombo. Nous avons des sœurs qui ont des cheveux naturels. Toi, Lina Bande, combattre sur Badena Basuki, l'olenge qui rentre dans ma pesa. Et d'autres sœurs qui mettent des mèches. Et Zana Bande, combattre sur Badi Kotia, ma mèche. Pasteur, le prophète. Qu'est-ce que le prophète Branham dit? Mosakoli Branham à l'obinini. Qu'on puisse mettre des mèches ou bien qu'on ne puisse pas mettre. Toi, Kotia, ma mèche. Toi, Kotia, ma mèche. Et ma deuxième préoccupation, pasteur, et pour cette division qui vient de se passer dans cette église, on reste toujours en contact avec d'autres frères qui sont partis. Moi, je dis toujours que je considère mon pasteur comme Moïse. Mais ils disent que vous n'êtes pas Moïse, vous êtes un Éphésiens 4. Donc vous et le pasteur qui est parti, vous avez aussi, on peut dire, la même puissance. Veuillez un peu nous expliquer, ça me complique, je n'arrive pas à comprendre. Merci. Je crois qu'on a déjà beaucoup de questions. La monite au commun avec tout n'a pensé et belé. Bon. Malamon. La Bible dit. Bible à Isali Koloba. Oui, par donc le Saint-Esprit bon, est reçu par l'imposition des mains
d'une personne ointe. Maintenant, il y a des gens qui vous ont imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Et ils sont partis dans la division. Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Je voudrais vraiment être sincère avec vous. Je ne crois pas qu'ils avaient le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, Pambate moto oyo azali na molimo mosantu. Tel que vous êtes là, ndenge bozali wana ya kovanda, je ne peux pas vous déranger. Nakoki te kotungisa bino. Je ferai un effort pour ne pas être en scandale. Nakosala makasi nyoso pona ko kobetisa bino libakote. Vous, je parle d'un individu. Nazali kolobana oyo etali moto yemei. Ou alors je dois réparer. Mais prendre une décision qui va scandaliser toute l'église et envoyer ça dans l'internet, dans le monde entier, et appeler ça le Saint-Esprit, j'hésite. J'hésite très fort. Le conseil que je vous donnerai, on va encore faire ça. Nous avons un temps où nous imposons les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Vous passerez. Si vous hésitez, moi je ne crois pas que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit puisse diviser une église. Frère Balaam a dit, je ne l'ai jamais fait. Et je n'ai jamais troublé une église. Avant de répondre, j'ai dit, je voudrais vraiment être sincère. Je peux me tromper. Mais il n'y a pas de Saint-Esprit. Quel est ce Saint-Esprit qui va combattre le Saint-Esprit? Il faut que ce soit un autre esprit. Ou alors, moi je suis dans l'erreur, je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais moi je crois que j'ai le Saint-Esprit. Vous croyez à cela? Caïn Caïna a combattu Abel. Abel. Est-ce qu'ils avaient le même esprit? Judas. Judas a combattu Jésus. Ils avaient le même esprit? Le Sanhédrin, les pharisiens. Ils ont combattu Jésus. Est-ce qu'ils avaient le même esprit? Non. Ou alors, on est du côté de Dieu. Et ceux de Dieu ne se battent pas. C'est la même famille. Frère Branham a dit, les Branham se battent derrière la maison. Je crois que j'ai répondu. Ici, la question est posée en rapport avec les fiançailles. Elle a été très claire.
Le fiancé dit, c'est toi. J'ai prié, c'est toi. La femme de ma vie. Moi si y a bon moyen d'engager. Et après un temps, il brise cela. Il est à bouki yango. Ou vice versa. La femme dit, j'accepte. Moi si alobi nandimi. Vraiment j'ai beaucoup prié, c'est toi. L'homme de ma vie. Mobali wa bon moyen d'engager. Et après, il brise cela. À bouki yango. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le comment vous allez contempler la malamouté? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, le comment vous allez contempler la malamouté? Et la sœur a dit peut-être que ces gens-là cherchent quelque chose. De comment ça vient malamouté? Bateau, on a malamouté qu'on luka les camomo kobo. Quand ils obtiennent cela. Tant qu'on parle pas sur le comment ils luka. Alors ils vous laissent tomber. N'aboye bati qui les camomo wana. J'ai compris la chose. Na sosoli les camomo yango. Ne leur donnez pas votre corps. N'aboye bino bope sa bango bazoto na binoté. Alors, ils ne vont pas vous laisser tomber. Ils vont voir que vous êtes sérieux. Dans les fiançailles, ils n'allaient pas dans des maisons pour les visiter. Non. Il y a aussi des sœurs qui sont tellement collées. Alors, finalement, ce qu'on craignait va arriver. Là, alors c'est toi. Tu fais ça pour que l'homme ne recule pas. Mais tu n'auras plus de valeur vis-à-vis de cet homme. Amenez toujours un enfant. Nous, vous êtes tout le temps à deux. Vous dites n'importe quoi. Il n'y a plus de chrétiens. Comme si vous étiez déjà marié. Je connais beaucoup de choses. Je pardonne. Ne le faites plus. C'est votre propre vie. Que les frères et les sœurs soient sérieux dans les mariages. Et Dieu mettra sa main pour vous bénir. Amen. Amen. Pour ce qui est de la marque de la bête, il faut faire une plantation à la maison. Non, ça ne sert à rien. Oubliez ça, ma fille. Oubliez. Nous serons enlevés. Amen. Nous allons bientôt partir. Le message est en train de chercher la brebis noire. Sango, ezali kolukande pate oya moyindo. Madame m'a dit la brebis noire. Je sais pas. Peut-être qu'on la trouvera en Afrique. Madame dit le jour même qu'on va baptiser, il sortira et puis nous partons dans la vie. Ne craignez rien. Rien n'arrivera. La marque de la bête, c'est quand quelqu'un reçoit le contraire du Saint-Esprit. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils vont s'unir. Bango bako sangana. Toutes les églises. Ba masambo nyoso. Et Rome sera à la tête. Pe loma ekozala na moto. Si vous entrez là-dedans, vous recevez la marque de la bête. Nous ne serons jamais là. Nous sommes au courant de tout ça. Le Seigneur nous aidera. Si vous faites une plantation, vous semez, vous ferez combien de jours avec ça? Ça va se terminer en moins de mois. Oubliez ça. Notre Dieu nous protégera.
Et nous irons dans l'enlèvement. Et ils entreront dans la guerre. Et dans la troisième guerre mondiale. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a de celles qui ont des cheveux naturels. Il y a d'autres qui ont des cheveux, des mèches. Nous voulons savoir qu'est-ce que Frère Branham dit en rapport avec les mèches. C'est ça, non? C'est comme ça la question. Le cheveu naturel, c'est bien. Mais si nous arrivons aux mèches, c'est parce que Frère Branham l'a dit. Tu peux chercher ça, frère. Frère Branham a dit, si une femme n'a pas de cheveux, elle peut ajouter ses cheveux. Pour paraître comme une femme. Vous pensez que si une femme garde ses cheveux naturels, elle est une bonne femme parce qu'elle garde ses cheveux naturels? Détrompez-vous. Plus de 40 ans de ministère, j'ai vu des femmes avec les cheveux naturels et vivre comme des démons. C'est une forme simplement extérieure. Frère Branham dit dans question-réponse numéro 3, prêché en 1964, une année avant sa mort. Quand est-ce qu'il avait changé ça? Là, il était enroué. Il ne prêchait pas bien. Il n'avait pas honte de mettre une postiche. Paragraphe 210. Mais c'est un ordre. Si vous n'avez pas de cheveux et que vous voulez en avoir un, il parle aux femmes, si vous pouvez le faire, c'est parfaitement en ordre. Il dit oui, monsieur. Si une femme n'a pas de cheveux longs, si une femme n'a pas les cheveux assez longs et qu'elle veuille y ajouter un postiche, je dirais, faites-le, sœur. Il y en a plusieurs. Plusieurs. Ça, c'est notre sainteté, c'est bien. Mais, Kasi, ne ressemblez pas au monde. Yo, kokukana na mokili soki mokete. Ne ressemblez pas au monde. Kokukana na mokili soki mokete. Malgré les cheveux que vous avez ajoutés, ne ressemblez pas au monde. Atako soki yo siliko bakisa. Kokukana na mokili soki mokete. Soyez comme une chrétienne. Zala lokola mo Christo ya mwasi. Amen. Amen. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Mais il y a encore une question là. Sur les cantiques. C'est écrit ici. Et comment awa? Les cantiques. Baloyembo. Est-ce que Frère Baruti? Koloba okengeli Baruti. Pourquoi nous ne chantons pas les cantiques? Pourquoi nous chantons les cantiques des dénominations?
Crois seulement. Yondi makaka. Crois seulement. Di makaka. Qui chantait ça? Nanyango abaneko imbalo imboyo. C'est Branham. Ezali de Branham. Mais c'est dénominationnel. Kasinzembo wana ezali ya bibongise. Lui-même Branham a dit. Il a cité le nom de cet homme. Il dit, quand cet homme a fait 50 ans, il ne savait pas que moi j'amènerais ça dans le monde entier. Je prends vraiment le cantique de Frère Branham. Ce n'est pas son cantique. Crois seulement. Yo ndima kaka. Nous tous nous croyons que c'est Branham. C'est dénominationnel. Moi j'ai tout. Quand j'ai mis ça dans la voiture, ça commence autrement et puis quoi? Et il faut appuyer ça de cet homme. Alors. Vous allez dire que c'est dénominationnel. Il faut pas en parler de cet homme-là qui avait fait le cantique. Que nous chantons. Et le dernier couplet, il avait fait dans un asile de fou. C'est quel cantique? L'amour de Dieu. Est-ce que c'est notre cantique? C'est dénominationnel. Mais nous prenons ça, ça se trouve dans le message. Il dit, vous prenez tous les arbres. Ce n'est pas nous. Pour écrire l'amour de Dieu. Vous allez sécher les océans. Oh, c'est notre cantique du message. Ah non. Oh, c'est notre cantique. C'est un dénominationnel qui a chanté ça. Qui connaît ça? Alors, Frère Branham a cité son nom. Il y en a beaucoup. Et nous disons aujourd'hui, ce sont les cantiques du message. Quand quelqu'un est inspiré et il chante pour la gloire de Dieu et le Saint-Esprit est d'accord avec ça, qui es-tu pour dire que c'est dénominationnel? Ce que j'ai chanté hier sur le toit, comment on appelle ça, les chants de victoire, Frère Madame chante beaucoup de cantiques là-dedans. Est-ce que vous le savez? C'est méthodiste. Et beaucoup de cantiques que Frère Branham avait amenés, que nous appelons aujourd'hui les cantiques du message. J'étais parti à Jeffersonville. C'était des cantiques baptistes. Frère Branham était diacre baptiste. Et ils ont mis ça, là où vous êtes assis, vous voyez ça devant. C'est marqué même cantique baptiste. Vous me croyez? Amen. Et on a pris beaucoup de cantiques que Frère Branham aimait. Et ils ont mis ça ensemble. Mais ça ne venait pas de Frère Branham. Ça venait aussi des dénominations. Nous pouvons chanter ça. Et nous pouvons chanter aussi ce que nous chantons ici. Quand c'est inspiré. C'est clair. Ebenezer. Jusqu'ici, Kino Awa. Tu m'as secouru. Yo aussi, Kosungangaï. Ebenezer.
malgré mes fautes. Attaque au mabunga nangai. Mes fleblés. Attaque au bolembu nangai. Tu es avec moi. Yo, on a dit tango nyo selongo nangai. C'est mauvais? Oh, on a dit mabé. Ça montre l'amour de Dieu pour moi. Et d'aller côté de sa bonne gonanzam, mais pas inangaï. Peut-être qu'il a fait ça pour moi. Il est né, n'a pas de déjà, c'est là qu'il y a un peu d'angaï. Donc pour moi, Koroba Ponangaï, si un cantique est inspiré, ce qui le aime, mon gosse, c'est qu'on peut me la main et que votre pasteur aime cela, mais mon king, elle aime la zali colinga yango. Chantez. Yemba na yo yango. Amen. Et un cantique rempli de bois qu'elle a, ne chantez pas. C'est clair? Et Zali Polele? Comment? Donc on doit arrêter. Je crois que on n'a pas démérité. Non, non, ici il est malade. Ah. Je crois que je n'ai pas démérité. La question a été posée ici entre moi et celui qui est parti. Je ne dis pas que je suis Moïse. Il y a un seul Moïse. Je ne suis pas Josué. Il y avait un seul Josué. Je ne suis pas Branham. Il y avait un seul Branham. Mais je suis Baruti. Il faut voir ce qui s'est passé à Bandundu. Je dois aller à Kikwit. Je dois aller à Kikwit. On m'appelle déjà vers les lacs là-bas. Lac. Idiofa. Na Idiofa kuna. Ils sont déjà prêts, je serai à Idiofa. Ils ont vu Jésus travailler. Il est plus grand que moi. Mais vous m'avez choisi. Kasi pino, bosili ko pona ngai. Iyo. La Bible dit que nous devons être humbles. Nous avons relevé les défis. Même pour ceux qui sont partis, ils pensaient qu'ils allaient avoir la moitié de l'église. Mais l'attraction est ici. Amen. Malgré mes fautes, attaque au mabunga nangai, mes faiblesses, attaque pe bolembu nangai. Tu m'as pas laissé. Zambe aussi koti kangai soki bokete. Tu es avec moi. Yo ozali tango nyonso elongo nangai. À moins que tu sois aveugle. Le bokanga yo zala beaucoup finiso. De quel côté se trouve Dieu? Koyebete nangambo dino nzamba zali? Ici. Ezali ne nangambo yo awa. On n'a pas besoin d'une distraction. Nous devons nous préparer à l'enlèvement. Quand vous verrez la beauté de cet endroit, sachez que bientôt Jésus va revenir. Préparez-vous. Préparez-vous. Nous quitterons la terre. C'était une prophétie. Il y a 15 ans, quand je plaçais la première pierre, c'était accompli. Quelle beauté. Et le diable vient nous distraire. Vanda. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Quelle attitude on doit avoir? Nous devons les aimer. On n'a pas de problème avec ces gens-là. Mais attention à ce que vous écoutez. Vous risquez d'être maudit. Pour le moment, évitez un peu. On n'a pas de problème. Ma poli, mon tonabango, aïe, ma guerre.
Nous aussi toponi mutuna biso totikali. Biso pe toponi beka na biso totikali. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Bino boso solingai. Merci beaucoup. Mato di mingi. Bien. Madame. Je veux prier pour vous. Levez simplement la main. Yo tombola kaka loboko na yo. Seigneur Jésus. Kolo Jésus. Jusqu'ici tu nous as pas abandonné. Kino awa aussi considéré biso soki bokete. Seigneur, tes enfants sont là. Kolo bana batali wana. Ils ont levé leurs mains, ils ont des problèmes. Atomoli maboko na bango bazalina makambo. Ils veulent que tu sois. Balingete ko akozala. La solution à leurs problèmes. Eyano na makambo na bango. Guéris les, Seigneur. Pikisa bango kolo. Guéris leurs âmes, Seigneur. Pikisa milimo na kati na bango kolo. Ces autres le futur de cette église. Ezali bango nde ba lobby ya eklesia oyo. Seigneur, Kolo, descend, Kita, Seigneur, Kolo, guéris, Bikisa, Seigneur, Kolo, manifeste-toi, Mimonisa, qu'il puisse avoir, Bakwa Kozoa, des fiancés sérieux, Babandami Kolo, qu'on puisse avoir des mariages, Bakwa Kozoa Babala. Oh Dieu tout-puissant, dans des familles où ils ne se marient pas, Nakata Babala Batali Kobala Nate. Je brise tous les liens de famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les liens. Coutumiers. De famille. Soient brisés. Pour chaque jeune qui se trouve ici. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Mato Nicolo. Remplis-le du Saint-Esprit. Toni Sabango na Molimo Santo. Qui retourne dans la paix. Tika de Bango Kozonga na Kimia. Que ce qui a des diplômes puisse être engagé. Tika de Bango na Diplôme Bango Kozonga na Misala. Pambola babandami. Ils puissent avoir de l'argent. Para konzwa misolo. Pour marier leur fiancé. Para kobala basi na bango. Bénis les, Seigneur. Pambola bango kolo. Ils puissent avoir du travail. Para konzwa misala. Accorde aux jeunes. Pese pe na bilenge. Du sérieux. Eyongi. Merci Jésus. Matoni Jésus. Je sais que tu le fais. Dani Beto Kosalengo. Pour ceux qui sont malades. Pour avoir basali kobela. Que ta main les guérisse tous. Si que tu le veux qu'on a ébi qui s'abandonne Dieu. Que nous puissions avoir des témoignages. Toi qu'on soit matatoli. Toi démon de maladie. Yo mon mon mère abokono. Sors de leur corps. Bimana zoto na bango. Au nom de Jésus. Na kombo na Jésus. Qu'ils soient libérés complètement. Bako kango la manamo bimba. De toutes les maladies. Nabokononyoso. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu. Merci Seigneur. Mato Nicolo. Reçois la gloire. Yozwa Nkembo. L'honneur. Zwa Lokumu. La puissance. Zwa Nguya. Dans le précieux nom. Nakombo na Motuya. De ton fils Jésus-Christ. Yamwana yo Yesu Christo. Amen. Amen.